et le fer sont deux minéraux extrêmement importants dans la croissance des enfants et des adolescents. Donc le calcium, lui, intervient évidemment dans la fabrication du squelette et des os de ces jeunes enfants. Donc comme ils sont en croissance, ces os s'allongent, se densifient, et donc c'est vraiment important d'assurer les apports en calcium suffisants, aussi bien chez le jeune enfant d'âge d'école maternelle que chez les adolescents. Alors les apports recommandés sont différents. Évidemment, chez les enfants de maternelle, on estime qu'ils ont besoin de 500 à 700 mg de calcium par jour. Chez les adolescents, ces apports recommandés montent à 1200 mg par jour. Et donc, en termes de portions d'aliments, on va conseiller deux portions de produits laitiers chez les petits, qui vont se traduire, donc chaque portion pourrait correspondre à un verre de lait, une tranche de fromage, deux petits yaourts, etc. Donc ça, ce sont quelques exemples de portions de produits laitiers. Chez les adolescents, les portions sont équivalentes, mais ils en ont besoin de plus, donc de 3 à 4 portions par jour.